Bonjour, donc nous sommes arrivés au salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe. Nous allons toute la journée visiter ce petit salon et essayer de retrouver des clients, partenaires, futurs fournisseurs, futurs investisseurs, tous les gens qui pourraient être intéressés par le projet Drone des Champs. Et donc voilà, là on est juste au stand de Casillache, première marque de tracteurs, et on va avancer tranquillement sur tout le trajet, toute la journée, prendre des photos, des petites vidéos de temps en temps pour vous faire un joli résumé de ce salon. Voilà. Donc voilà, nous avons fini déjà une matinée dans le salon agricole à Saint-Hyacinthe. Nous sommes dans une des seules ensileuses là qui est en démonstration, une grosse ensileuse Nioland. Très très impressionnant, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout le salon. On a pu rencontrer pas mal de bons contacts au niveau de constructeurs de bâtiments et au niveau du drone agricole aussi pour faire de l'épandage, donc de l'épandage et du dépistage. Donc on va voir ce que ça va donner. On va continuer, on va aller déjeuner un morceau et on va finir le salon tranquillement cet après-midi au volant sûrement d'un gros tracteur maintenant qu'on a fait la grosse ensileuse. Donc voilà, le salon agricole de Saint-Hyacinthe est terminé pour cette année. Nous avons rencontré de personnes très intéressantes en matière de création de bâtiments, en matière de développement d'entreprises, etc. Pour de la vidéo, pour de l'épandage, pour de la captation de données et aussi du nivellement. Donc très intéressant. Peut-être de futurs contrats, nous l'espérons. Et par ce froid québécois, nous allons rentrer tranquillement à Montréal pour décortiquer toutes ces informations et reprendre contact avec les gens. Nous vous souhaitons une bonne soirée au pied du feu et à la prochaine.